Si vous êtes angoissé, stressé ou anxieux, cette vidéo est faite pour vous. Je vous fais profiter du paysage en même temps que de ma balade. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez probablement vu une de mes vidéos qui s'appelle la méthode SOS. Le premier S veut dire stop, le deuxième S veut dire observer et le troisième S veut dire stratégie. Stratégie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que vous pouvez mettre en place quand vous êtes déjà dans le stress, dans l'angoisse. Et pourquoi je vous fais profiter de la vue aujourd'hui? Eh bien, justement, parce que ça peut être une des stratégies que vous pouvez mettre en place, c'est-à-dire aller vous balader, vous isoler dans la nature, marcher, courir, randonner, peu importe, mais profiter de ce beau paysage. Si ça vous inspire, évidemment. Maintenant, si c'est pas quelque chose qui vous plaît, trouvez votre propre stratégie à vous. Quelle est votre stratégie à vous pour faire baisser votre émotionnel? Est-ce que vous préférez faire du crochet? Est-ce que vous préférez aller faire du sport en salle? Est-ce que c'est mieux pour vous? Est-ce que vous aimez faire du mandala? Est-ce que vous aimez aller faire du vélo? Si vous n'avez pas votre propre stratégie à vous, c'est très... comment dirais-je? C'est vraiment pas bon pour vous parce qu'à aucun moment, vous êtes autonome pour faire baisser votre niveau de stress. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, votre stress s'accumule dans votre contenant et ne se vide jamais. Donc, une des stratégies pour gérer votre stress, c'est d'écrire et de lister tout ce qui vous fait du bien. Allez, je vous laisse avec ce paysage magnifique. Si vous avez envie d'aller plus loin et d'en savoir plus sur la gestion du stress et des émotions, je vous invite à participer à mes ateliers. Abonnez-vous pour regarder les prochaines dates. À bientôt !